Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock! Salut, j'espère que vous vous portez bien dans la maison. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, saison 6. Je suis avec Benoît Nassalaman. Ça va très bien, les jours. Puis, yes. Aujourd'hui, une émission spéciale. On sera pas juste des amis, mais au moins, on nomme pas de nom. On va dire ça de ouais, moi. Puis on a... On veut sortir quelques petits squelettes du placard. Bien évidemment, si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais bien évidemment, on va parler d'un peu des scandales qu'il y a eu dans le passé de la lutte professionnelle au Québec. On a une vingtaine d'anecdotes qu'on veut discuter, Ben et moi. Donc, est-ce que tu veux commencer avec l'une d'entre elles, mon ami? Oui, bien, j'ose sans nommer de date. Le premier show qu'on a fait sur un ring de lutte devant environ 400 personnes. Ouais, pas loin. Hein. À Lévis. Un lutteur, c'est pas un mauvais gars pour autant. Non. Mais selon sa gimmick, il a cru bon de dire des choses pas très catholiques aux femmes qui étaient assises dans la salle. Tout à fait. Ce qui a fait en sorte, en fait, qu'on a perdu des commanditaires cette fois-là. Je vais juste rapprocher mon micro, puis... Ben, il a carrément traité les femmes de pain bêche. Puis, le mot poli, tu peux dire. Ça l'a causé beaucoup de bisbilles. Et puis, il y a eu aussi de la chicane backstage avec deux personnes qui étaient présentes lors de l'événement, qui se sont faites du nez à nez, comme on pourrait dire. Exactement. Donc, une feuille de papier ne passait pas entre les deux. Exactement. Et lors de cet événement-là, il y a eu aussi d'autres anecdotes. Est-ce que tu veux en parler un peu? Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Ben, je connais un peu l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est un manager que moi, j'ai entendu. Je pense que c'était à la fin de mon combo ou avant mon combo. J'entends une porte claquer. Okay. Le gérant est parti un petit peu en crise en bon québécois. Mais il est revenu peut-être 15-20 minutes plus tard. Ils l'ont raisonné puis il est revenu. Mais ouais, la vraie raison, je la sais plus ou moins. Moi, je le sais. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la personne en question voulait avoir plus d'argent qui était négocié. Et puis, finalement, on a parlé avec les organisateurs, les promoteurs. Bref, ça s'est réglé à l'amiable, mais ça arrive parfois à l'occasion que certains... font des petites passes croches, comme on dit. On parle bien évidemment de l'événement, de notre premier spectacle de lutte qu'on a organisé il y a vraiment très longtemps. Là, on parle... Ça va faire 25 ans. Ça va faire 25 ans. Ouais. On nommera pas la date, mais ça va faire 25 exactement, ans bientôt. Exactement. Donc, voilà. Par la suite, veux-tu parler... Un événement peut-être ultérieurement... Peut-être un an plus tard, 13 mois plus tard, indirectement, on s'affrontait, OK? Oui. Indirectement, sans le vouloir, il y a comme eu un double turn. J'ai comme viré face, t'as comme viré heel, mais vraiment contre notre gré. Et je pense que tu t'es fait lancer quelque chose et ça n'était pas de l'eau, je crois. Non, en fait, c'est des matières fécales et des vers de pisse. Donc, je me souviens de ça, comme si c'était hier. Ta conjointe de l'époque qui était ta manager tout à fait. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ouvre une parenthèse, mais moi, je me souviens, quand on a ouvert notre promotion, Ben, à l'époque, le premier événement qu'on a fait... C'était un spot show, par exemple. Non. Le premier Disloyal Attention qu'on a fait à l'école. Ouais, 2005. Ouais, on avait fait l'événement au complet, puis il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, puis honnêtement, je me doute de c'est qui.
Il avait fait des graffitis sur les portes. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah, non. C'était pas des. Non. Il y avait. C'était écrit au crayon feutre. Ouais, c'était un gros. Ben oui, c'était c'est le troisième événement qu'on a fait à l'école. Okay, ça se peut. L'événement de décembre. Et on nommera pas. On sait que c'est une clique, mais on la nommera pas. Et c'était écrit des choses pas très catholiques sur les murs. Tu te rappelles avec mon espèce de dégraisseur, j'essayais dans le vaisseau. Ouais, on a réussi. J'avais plus de voix, j'avais tellement crié pendant mon match, j'avais plus de voix. Ouais. Comme au show de Pantera. Yes. Par la suite, plusieurs années suivant cet événement-là, puis ça, honnêtement, je me répète, mais c'est juste pour vous divertir, puis c'est... Écoute, ça fait il y a 30 ans. Disons que le documentaire de Vince McMahon, Les squelettes dans le placard, nous a inspiré de ressortir ces anecdotes. C'est ça, pas très catholique, si je peux me permettre. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en reparler. Mais rassurez-vous, on nomme pas de nom. Et notre but, c'est pas de dénigrer la lutte au Québec, loin de là. C'est pour faire comprendre, sensibiliser que ces événements peuvent se produire dans un événement de lutte familial. Oui, mais ou dans n'importe quel autre événement. Ça peut être au hockey, ça peut être au baseball. Ça peut être au Festival d'été de Québec. Ça peut être n'importe où, là, tu sais. Mais quand on organise de 40 à 50 événements par année, malheureusement, ça arrive à l'occasion qu'il y a des surprises. Octobre 2005, Joe, ça, je vais nommer la date. Est-ce que tu te souviens du regretté pas de notre grand ami? Oui. Kevin Laverdière, qu'on connaît. Salut, Kevin. J'espère que tu te portes bien. J'arbitre aujourd'hui à la QCW. Yes. Son père, en fait, M. Laverdière, régent, qui le défunt. Il a malheureusement quitté en 2012. Yes. Nous avait accommodé pour un événement dans l'Aubinière. Dans l'Aubinière. C'est ce qu'on peut dire. Yes. Puis je me souviens, un soir, on était en train de démancher la reine. Puis il y a un gars qui était en train de pisser sur le troc à M. Laverdière. Puis M. Laverdière, c'est un monsieur qui était très, très fier de sa personne, qui était fier. Son auto était toujours très shiny. C'est un monsieur propre, tout ça, tu sais. Le monsieur, il courait, la personne qui avait pissé sur son char avec un morceau de ring dans le champ. Ouais, là, je m'en souviens comme si c'était hier. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est des anecdotes comme ça qu'on parle, puis que ça nous fait bien rire. Là. Bien évidemment, je voudrais parler aussi de l'invasion qu'il y a eu il y a plusieurs années entre deux fédérations de lutte majeures qui sont dissous maintenant à Québec. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce fut inspiré de la vraie invasion qu'il y a eu entre la WWE par la ECW et la WCW. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai cette fameuse invasion que je vais vous parler. J'ai des images de ça. Je vais essayer de les ressortir quand je vais avoir un moment. Pas peur de te faire bannir de YouTube, excusez. Pas peur de te faire bannir. Non, mais bref, ça brasse beaucoup. Puis je me souviens d'un certain soir où on était en train d'attendre pour aller faire l'invasion dans la promotion en question. On était une vingtaine dehors avec des chaînes, des bâtons de baseball. Puis je me souviens, on attendait, puis on était sur le bord d'une rue. Puis à cet endroit-là, il y avait un espèce d'abribus. Puis l'autobus avait arrêté, puis il y a un monsieur qui avait sorti pour sortir parce que c'était son arrêt de bus. Oh, quand il nous a vu les 20, il est rentré dans son autobus en course, puis il est reparti, il a dû sortir à 3 ou 4 autres sorties plus tard. Il a vraiment eu peur, le monsieur. Bref, tout ça pour dire que ce soir-là, ça avait brassé énormément. Je me souviens que moi, je faisais partie de l'une des deux, puis ça avait brassé beaucoup. Là, un des lutteurs principaux de cet événement-là, un grand lutteur québécois qu'on nommera pas, mais qui va sûrement se reconnaître. Chaque fois, il va y faire. Yes, exactement. Et puis, il avait été très magané ce soir-là. Et puis, moi, je me souviens que à un moment donné, c'était rendu. Pour vrai, là, pour l'avoir vécu, il y a des bouts que c'était réel. Honnêtement, c'est fou. Je pourrais vous montrer éventuellement les images, mais c'est incroyable. Honnêtement, c'est un souvenir qui va me marquer à tout jamais. C'est comment qu'une plaisanterie, ben, une chose stagée peut virer en bagarre générale, peut dire ça de même.
Oui, 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 exact. Puis c'était vraiment comme une bagarre de rue. Là. Moi, je me souviens, entre autres, deux personnes, deux têtes fortes de chacune des fédérations se sont affrontées avec des objets, puis c'était vraiment des vrais coups. C'était vraiment, tu sais, c'était assez que moi, à un moment donné, tu sais, j'ai eu peur pour ma personne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver la personne avec qui j'avais confiance, l'autre côté, puis c'est sur lui que je suis parti, parce qu'à un moment donné, c'était tellement out of control que j'aimais mieux être un peu plus en sécurité, tu sais, pour ma personne. Tu sais. Pour l'autre scandale, ce serait, on pourrait dire, deux lutteurs montréalix qui en sont venus au coup dans une salle d'église de la vieille capitale, pour dire ça de moi. Oui, c'est ça, exactement. On se souviendra, il y a quelques années, ce qui est arrivera. Les deux gars se sont tapés dessus à grands coups de poing. Ça avait brassé beaucoup, il y a eu une altercation. Ils se sont séparés, tout ça, mais ça a été un... ouais. Tu sais ce que Pierre-Carl Ouellet disait dans un reportage à Radio-Canada? Il disait des fois, ça serait pas juste dans l'arène, hein? Ça serait que backstage, tu sais, claque sa gueule, toi tu réponds, tu répliques. Ben, coup de main, entre autres, tu sais, le fameux Montreal Screwjob, ben, Bret Hart, il a donné un coup de poing dans le visage à Vince McMahon, son propre patron à l'époque. Ben, en fait, c'était en transition parce que lui avait en tête Je ne sais pas s'il y a eu éventuellement des poursuites, Bret, à cause du coup de poing. Faudrait que j'en réécoute. Ils ont fait comme un film là-dessus, faudrait que je la réécoute. C'est vague, là, mais. Pour la fin de One Heart, ça, oui, il l'a poursuivi. Yes. Comme sa veuve, elle l'avait poursuivi. Mais pour ça, je ne pourrais pas dire. Je ne veux pas dire le mot. Il y a aussi je ne sais pas, on peut-tu le nommer, lui, ou ben, on ne le nomme pas? Peut-être mieux pas, mais il va se reconnaître. Oui, il va se reconnaître. On le salue d'ailleurs, très bon Jack. On se salue, c'est un bon ami à nous. Il y a eu un combat à un moment donné, une altercation, puis malheureusement, ça s'est mal déroulé, puis il s'est ouvert les veines avec une radio, une vieille radio en métal. Il a donné un coup à quelqu'un, puis ce qui est arrivé, c'est le sang du bon. Ouais, exactement, mais directement, tu sais, sur la... Ou c'est que tu prends ton pouls, là, quand les cours de secourisme, tu prends ton pouls. Ouais, la ligne du suicide, là, tu sais, faut pas que tu passes là. Il y a eu aussi, on va l'appeler... Le pétage de bras. On va l'appeler le pétage de bras. C'est, on va l'appeler, mettons, Jean-Charles. Ouais, c'est ça, Jean-Charles, qui a cru bon d'essayer d'impressionner les promoteurs. En voulant faire un powerbomb à son opposant dès le début du match, sur la rampe et non sur le ring. Résultat, la personne s'est cassé le bras. Et... Tout à fait. Disons que le promoteur n'était pas traité de bonne humeur et le promoteur avait vraiment peur que les assurances augmentent et perdent le local. Parce qu'au départ, il faut garder ça familial. Oui, c'est ça. Puis il y a eu aussi, à une certaine époque, un bon ami à moi, avec qui j'ai fraternisé pendant des années. Il est arrivé une bad luck dans notre promotion de lutte. D'ailleurs, mais j'avais quitté à cette époque. Oui, c'est ça. Il s'est malheureusement cassé le fémur il y a plusieurs années. Puis honnêtement, bon, et bien évidemment, il y avait des gens qui avaient les premiers soins, des premiers répondants, tout ça. Cette journée-là, j'étais content qu'il y ait quelqu'un de Montréal, qui était qualifié, qui travaillait dans le milieu préhospitalier. On le salue d'ailleurs. Cette personne en charge, on est vraiment content que cette personne-là a pu être présente pour l'événement. Honnêtement, on est vraiment... puis on a bien pris soin de la personne en question qui s'était cassé le fémur, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, la lutte, c'est pas toujours une partie de plaisir. Voilà. Par la suite, est-ce que tu veux en parler? T'étais-tu là, toi? Non, je n'étais pas là. Non, OK, parfait. Ben, disons, il y a plusieurs années, en fait. Dans un spot show, bien sûr. Oui, c'est ça. Dans un spot show, il y a eu un événement qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a rempli un gant de vétérinaire plein de bouses de vaches. Puis qui l'a lancé dans l'arène. Est-ce que je peux nommer la personne? Non, on n'aura pas la personne. Non, nomme pas la personne. Hein? OK, parfait. Cette personne-là était une manager de l'époque, qui maintenant est lutteuse. Très grande lutteuse, d'ailleurs. Très grande lutteuse au Québec.
qui était en train d'encourager son poulain et tapait sur le matelas, puis elle a reçu... Elle a reçu la marde dessus. Elle a reçu toute la marde, elle a reçu même de la marde. C'est pas drôle. Dans la bouche. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ça semblait qu'elle puait de la gueule. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Puis je me souviens qu'il y avait certains qui étaient partis à la course après la personne pour essayer de l'attraper. Et puis, malheureusement, ça, ils n'ont jamais réussi à trouver la personne en question. Il y a eu un lutteur dans une fédération qu'on... Non, je n'en nommerai pas, mais il paraît qu'il a fait un show et ça n'a pas... En fait, il a fait... Moi, de ce que j'ai su, c'est qu'il a fait plusieurs shows. OK, c'était pas la première fois? Non, ni la dernière. Pas la première fois, il semblerait. Okay. Un très grand lutteur de la province de Québec, que je nommerai pas, a fait un shoot dans différentes promotions de lutte au Québec, qui fait en sorte que maintenant, on le voit plus dans un minimum de trois promotions majeures au Québec. Ça reste vague, c'est correct. Ouais, puis il en fait plus, je pense. Hein? Je sais plus. Mais il serait pas. Tu penses l'avoir vu quand on allait voir Pantera? Tu penses avoir vu ce gars-là de loin? Là? Je sais pas. En tout cas, non, c'est beau, c'est pas. Ensuite, on est rendu. Ok, certaines gens qui ont été qu'à la longue, à force d'ambitionner et de faire des no-shows. Quand ces gens-là sachent qu'ils perdent, dans le fond. Ouais. Comment dit son bouquet, la minute qu'ils sachent qu'ils perdent, ne se pointent pas à des événements, ont entraîné leur congédiement de la fédération. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu aussi une super de drôle anecdote qui s'est passée il y a plusieurs années, début 2000, du côté de Montréal, où il y a eu un combat par équipe Et il y a une certaine personne qui avait une énorme confiance en elle, aussi grande que le toit de ma maison, s'est ramassée à l'extérieur de l'arène, nue, puisque son adversaire avait tenu son maillot. Et la personne dont je vous parle, là, que j'étais le nom, a sorti de l'extérieur et son adversaire a tenu son maillot. Donc, il s'est ramassé complètement nu, le morphin au vent, à l'extérieur de l'arène pendant plusieurs secondes, je dirais peut-être même minutes, où là, les fans et les femmes prenaient des photos et c'était le... Mais j'imagine qu'il y a plusieurs versions de l'incident, j'imagine. Tout à fait. Tu sais, quelqu'un va conduire ce qui fait son affaire et un autre va, tu sais... On ne saura jamais le fond d'histoire parce qu'on n'était pas là. Moi, j'étais là. T'étais là? Oui. OK. Parce que tu me l'avais compté, mais moi, j'étais pas là. Ouais, moi, j'étais là. T'étais-tu là que t'avais été là avec tes parents? Ou t'étais bouclé, je sais pas. Je suis monté avec une gang là-bas. OK. Je pense. OK. C'est... En tout cas. dans des spots shows, il se passe bien des choses. D'ailleurs, il y a eu des altercations avec des personnes qui sont maintenant les lutteurs les plus... Ben, disons que un des lutteurs dans le pro. Là. Oui, c'est ça. Je dirais qu'il y a un des lutteurs les plus importants de la planète qui a eu une altercation avec un de nos amis. Qui faisait la sécurité. Qui faisait la sécurité à l'époque. Résultat, notre ami a décidé de sacrer son camp au milieu du show. Oui. C'est une chante affaire. Hein. Puis là, ben, la prochaine anecdote, ben, je peux nommer la personne parce que c'est moi. J'ai fait un combat il y a plusieurs années avec un gars. Je crois que c'était en 2003. J'étais fatigué, j'étais ambitieux, peut-être un peu trop. J'ai essayé d'effectuer un Shooting Star Press et malheureusement, j'ai manqué mon Shooting Star Press. Je suis tombé complètement sur la tête. Donc, j'ai eu des convulsions, commotion cérébrale, tout ça. Je me souviens, il y a plusieurs mois suivant cet événement-là, peut-être plusieurs semaines, plusieurs personnes regardaient cet
cette chute. Puis riait de la chute. Bref, histoire à suivre. Je veux pas dénigrer personne, Joe. Je veux pas dénigrer personne, mais la sécurité a agi de manière incompétente. Parce que si t'as pas la formation d'infirmier ou d'ambulancier, tu bouges jamais le corps d'un gars qui est... Ouais, je sais, mais la personne qui est venue à mon secours, c'était mon père. Non, mais il y en avait avant. Il y en a d'autres qui ont essayé... Ouais, je sais. C'est pas simple, ton père, il a dit « laissez-les là, toucher les dispos ». Ouais, mais c'est mon père qui me l'a vu. Mon père aurait pas dû me lever. C'est ton père, t'es sûr de ça? Oh, oui, il me semble que c'était les gars de sécurité, c'était pas ton père. Ah, je m'en souviens pas, mais il me semble qu'il... Ah, ton père, il s'est déjà fait des courses de secouristes. Non, je le sais. Je pense pas que... Non, ton père aurait pas agi pour mal faire. Bref. Un autre que je vais te laisser... non, mais je nommerai pas la personne. Bon, oui, vas-y. Je nommerai pas la personne. Non. Tout ce que je peux dire, c'est que cette personne-là était censée faire ses débuts dans une éventualité, dans une fédération que je nomme pas. Au Québec? À Québec? Oui, au Québec. Ben, dans la vieille capitale, maintenant? Ouais, on peut dire ça de même. Malheureusement, la veille du gala, sa mère décéda. Et parce que le choix que la personne avait à faire, c'est d'aller lutter complètement en down ou de rester avec sa famille. Il préféra rester avec sa famille. Sauf que le fait que... c'est un autre chose justifié, dans le fond. En tout cas, si c'est pas ça qui est arrivé, la personne doit toujours penser que c'était ça. Parce que si c'est pas ça, c'est un Christy de Boisard. À la suite de cet incident, la personne s'est fait rétrograder dans les préliminaires. Et n'a jamais pu... Avoir de chance ou prouver ce qu'elle valait. Ouais. Et la seule affaire que cette personne reproche aux organisateurs, que ce soit le promoteur ou le booker, c'est que c'est ça, qu'il n'ait jamais eu sa chance. C'est la seule chose. Alors, je n'aimerais pas de nom, mais je suis pas mal certain que le chapeau vous fait, messieurs. Il y a eu un autre messieurs, d'ailleurs, il y a quelques années, qui était jaloux possessif d'une certaine demoiselle. Fédération de la vieille capitale encore, on peut dire. Exact. Et puis, une personne en tant que telle a pu venir à la défense d'une demoiselle en détresse, un peu comme Mario avec Buzzer. Mais on rit de ça, mais tu sais, c'était toute qu'une anecdote. Ouais. Puis ça s'est arrivé à plusieurs reprises. Ouais. Souvent, on allait chez cette personne-là dans des parties et ça se reproduisait quelques fois. Mm-hmm. Non, mais aujourd'hui, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est super bien placé. Ben oui. La demoiselle, elle est mariée. Je suis certain qu'elle va peut-être un jour nous écouter. On te dit bonjour, ma belle. Oui. Bonjour. On est toujours en belle relation avec elle. Puis, je l'ai croisée il y a quoi, un an, je pense. J'étais avec mes enfants, moi. J'ai jasé avec elle. Elle rentre ça à Rive-Sud, c'est ça, je pense. Ouais. Je savais qu'elle était mariée. Je ne sais pas si elle a des enfants, mais je sais qu'elle est mariée. Eh bien, alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Puis comme je dis, c'est vraiment juste... bien évidemment, ben, tu sais, la lutte, c'est l'amour du sport, c'est l'énergie, c'est les efforts, c'est le personnage, c'est la belle image. Mais aussi, il y a le dark side derrière qu'on voulait... nos expériences, on voulait en parler. J'espère que personne ne le prend mal, honnêtement. C'était vraiment juste... à titre informatif, puis amener des beaux points intéressants pour les gens. Si d'autres anecdotes sont arrivées pour les lutteurs ou les promoteurs, les bookers, n'importe quoi, qui nous écoutent en ce moment, s'il y a des événements qu'on n'a pas nommés, que vous aimeriez rajouter, parce qu'on s'entend que mille et une fédérations... Là, tout à fait. Ça peut être en Ontario, ça peut être aux États, en Allemagne, n'importe où. Ça peut être vraiment intéressant, honnêtement, si vous voulez même venir en parler. En ligne, ça va nous faire plaisir, chers amis. On écoute la WWE francophone qui nous écoute, qui peut parler de bagarre qu'il y a eu. Exact. Ça peut arriver. Alors, vous écoutiez les anecdotes croustillantes du Wrestle Rock Podcast saison 6 en lien à la lutte québécoise. On se retrouve très bientôt, les amis. L'action ne manquera pas. Au revoir.